La radio Terre Nouvelle de Bangor est en difficulté. Il ne se passe plus 3 mois consécutifs sans qu'un cas de vol ne soit déclaré par la maison. Le dernier en date est survenu il y a exactement une semaine, soldé par le vol d'un ordinateur cerveau de la dite radio. C'est ainsi que l'association Tapikep a dépêché une mission conduite par son vice-président Djamba Fissou à Bangor pour compatir avec le personnel et soutenir la radio Terre Nouvelle. Face à cette situation déplorable qui a été très médiatisée, tant sur les réseaux sociaux que sur les antennes des radios, l'association Tapikep, cadre fêtière qui défend les intérêts du peuple et du milieu Massa, tout en exprimant son indignation, s'interroge si cet outil n'a pas une protection. Un geste de cœur très apprécié par le directeur Antonio Serrano, qui condamne ces vols successifs qui s'acharnent sur son institution. C'est que quand on est dans le malheur, le pire c'est la solitude. Se sentir seul devant le malheur, là, qu'est-ce que je fais ici, moi? Tandis qu'on se rend compte que la radio Terre Nouvelle est aimée, beaucoup de personnes l'aiment. Et beaucoup de personnes veulent que la radio continue à faire son travail. Le chef de mission a remis au nom de Tapikep à la radio Terre Nouvelle un ordinateur avec accessoires, 10 rames de papier, des boîtes de stylos à billes et 1 800 000 francs CFA.